Voilà. On est le samedi 15 août de l'année 2020. And I will try to make this video. And speaking English and I translate. Donc je vais essayer de faire cette vidéo en parlant un peu en anglais et de la traduire. Because I have a lot of things to say, parce que j'ai pas mal de choses à dire. And I'm a little bit, I think I'm a little bit ill or absent. Je suis un peu malade. Because I never say this word, parce que je ne disais jamais ces mots. I have no time, j'ai pas le temps. Alors voilà. We are 20 minutes before 6 o'clock. On est à 20 minutes de 6 heures du matin. And if I have a friend on Facebook, she is a whistleblower like me. J'ai une amie sur Facebook qui est une lanceuse d'alerte comme moi. Her name is Stéphanie Gibou. Son nom est Stéphanie Gibou. He wrote a book, elle a écrit un bouquin. The name of this book, le nom de ce bouquin est La traque des lanceurs d'alerte. La traque, je ne sais pas comment dire en anglais, but it's how they are trying to catch, voilà, to catch the whistleblower. Wow. I don't buy this book. Je n'ai pas acheté le livre. But I know her story, mais je connais son histoire. Stéphanie Gibou worked at a bank by the bankster who probably launders a drug money. Elle a travaillé dans une banque chez les banksters qui probablement blanchissent l'argent de la drogue. And he saw, elle a vu, arrived a lot of cash money. Elle a vu arriver pas mal d'argent en cash. And he begins to be angry. Elle a commencé à avoir des angoisses. Afraid. Elle a commencé à avoir peur. And she tells elle a tout raconté. At the government. Au gouvernement. Au fisc. J'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Oui, je les aime, je les aime. Oui, je les aime. What happens after she made this? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle ait dit ça? Qu'elle ait fait ça? Well, they came, find all his account that was illegal. Donc ils ont débarqué, ils ont trouvé tous ces comptes qui étaient illégaux. Ils ont fait une radia, et puis and after, Stéphanie was go to the Pôle emploi. Stéphanie a été envoyée. Ils ont viré Stéphanie. Et Stéphanie, elle a pensé, and Stéphanie, she thought that now, elle a pensé que maintenant, the government
le gouvernement français, she will do that. He will have. She will have a job. Elle va avoir un boulot. And now they are coming for your social security money, folks. They want it back so they can give it to their criminal friends from Wall Street. Et maintenant, les gens, ils sont en train de venir pour récupérer vos acquis sociaux. And you know what? Et vous savez quoi? C'est du Georges Carlin. They'll get it. Ils vont l'avoir. They'll get it soon or later. Ils l'auront tout au tard. Cause it's a big fucking club. Parce que c'est un grand club de M. Avec quatre petites stars. Des astérisques. Et je continue par du Georges Carlin. Quand il dit « You know what they want », vous savez ce qu'ils veulent, donc il parle du « Big Club », donc des 1% qui ont 57% des richesses du monde. « They want obedient workers », ils veulent des travailleurs obéissants. « And you know what they don't want », et vous savez ce qu'ils ne veulent pas. « They don't want well-informed citizen. Ils ne veulent pas de citoyens bien informés. Capable of critical things, capable de penser critique. That's against their interest. C'est contre leurs intérêts. That's right. C'est ça. Nous le dit-on, George Carlin was right. Ce mec est tout bonnement, donc acteur de one-man show américain, décédé à. An American actor, he died in 2008, since 12 years, donc il est décédé en 2008, il y a 12 ans. And he is the author, il est l'auteur of the sentence, de la phrase suivante. If you have selfish, arrogant and ignorant citizens. Si vous avez des citoyens arrogants et ignorants, you're gonna have selfish, ignorant leaders. Vous allez avoir une élite politique qui sera pareille. It's as simple as that. C'est aussi simple que ça. Saturday, 15 August 2020. Samedi le 15 août. De l'année 2020. C'est mon coq. Je vais appeler debout la France. Je sais pas comment on dit coq. Coq is a hen, c'est une poule. Et un coq, c'est un Gulliver, je crois. It's my Gulliver. His name is Debout la France from. It was a slogan from Nicolas Dupont-Aignan. Je passe un coucou à Paul Filzer. Paul, là, tu décroches plus le téléphone. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas chopé le corona. Et voilà. Moralité d'histoire. Stéphanie Gibault is it's RSA. He received just 500 euros par mois, elle reçoit juste 500 euros par mois. Et, bien entendu, le gouvernement, la France, l'a totalement laissé tomber. And the government just let she fall down. So like me, tout comme moi. Because today, aujourd'hui, moi, I am at the same, je suis logé à la même enseigne, c'est-à-dire que aujourd'hui le gouvernement il veut mon pognon, ils sont pas capables de me filer un boulot.
Today, the government wants my money. He is not capable to give me a job. And he just wants, et je veux juste, that I, que je, vends, buy, that I buy my house, que je vends ma maison. He is not capable to give me a job. Pas capable de. Alors je passe un message. I will pass a message to the gouvernement. The gouvernement. You'll never. Vous n'aurez jamais. My house. Ma maison. It's as simple as that. I'm a bot. I'm Philippe Soccer, a bot webmaster. From Google is watching you. Dot. Come and off. On a quand même du temps pour. Je vais faire ça doucement. I'm a slow boat. I'm a tired brother. Je suis un fatigué, moi. Un robot fatigué.